Pata pata! Breaking news! Nous interrompons vos programmes pour un flash spécial. Nous allons enquêter sur les services DHCP et DNS. Nous avons envoyé notre premier enquêteur sur place. Nous allons écouter Adrien Bonneau. Oui Stéphane, en effet, si vous avez besoin d'une adresse IP et que vous n'avez pas envie de la configurer manuellement, vous devrez passer par un serveur DHCP qui vous l'assignera automatiquement pendant une durée limitée appelée le bail. Nous retrouvons notre second enquêteur sur place, Anthony Xavier, pour nous parler des services DNS. Pour les DNS, nous apprécions le fonctionnement du système d'adressage de nom du domaine pour les sites web. Le principe est de pouvoir associer une adresse IP au nom du domaine pour faciliter la lecture lorsque on surfe sur Internet. Par exemple, il est plus facile de retenir le métis ac-réunion.fr que retenir son adresse IP de 72.18.101.102.